Voilà, bonjour à tous. Je suis donc Christine Dangelin sur ma chaîne YouTube et pour ce premier atelier inspirant, je recevrai Régine de Seyssel qui est ici à mes côtés et qui va nous présenter les bienfaits de l'aloe vera. Régine, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail? Oui, bonjour à tous. Alors, l'aloe vera, en fait, est une plante qui appartient à la famille des liliacées, comme les poireaux, la ciboulette, les oignons. Et c'est le gel translucide qui se trouve, en fait, à l'intérieur de la plante qui va être au centre de notre intérêt. Ce mucilage est un véritable élixir de santé puisqu'il propose, il contient 250 nutriments, des vitamines, des enzymes, des acides aminés, des minéraux. Et à l'intérieur, en usage externe, si vous voulez, la crème d'aloe vera, sous forme de crème, vient apaiser la peau, hydrater la peau, cicatriser la peau et vient la protéger des agressions extérieures. Mais la pulpe, elle se boit aussi. Et en version interne, c'est un véritable carburant pour le corps qui va avoir des bienfaits sur le stress, l'énergie, le sommeil, les problèmes articulaires, musculaires, mais également qui va venir rebooster votre système immunitaire et l'aider à mieux lutter contre les infections hivernales. Parfait pour l'hiver qui s'annonce donc. Est-ce qu'il y a d'autres vertus que tu Alors, c'est une plante que l'on appelle adaptogène, puisqu'elle va venir en fait s'adapter aux besoins du corps de chacun et va venir le restaurer tout en douceur. Voilà, donc cette eau végétale que je qualifie moi vraiment de précieuse n'est pas un médicament. Il n'y a pas d'interaction médicamenteuse non plus pour un traitement qui serait en cours pour l'un ou l'une d'entre vous. Mais elle apporte du confort et beaucoup de confort dans le quotidien. Alors pourquoi pas le vôtre? Eh bien, c'est parfait. Donc je vous donne rendez-vous pour cet atelier le jeudi 21 novembre à 18h au centre kiné Tête d'Or à Lyon 6e. Voilà, venez nombreux. À bientôt. On vous y attend. Au revoir. À bientôt.